Und schon. Voici à Hanoï, à l'aéroport, nous venons d'atterrir dans ce somptueux aéroport très peuplé déjà. Et il fait déjà très chaud et humide, 35 degrés à l'ombre. What's your name? My name is Loic. Loic. Yes. Okay. Loic Jay. From Belgium. Yeah. And you? I'm Jay from Hong Kong. Okay. Yeah, I'm their teacher. Actually, yeah. Big city, Hong Kong. And yeah, big city. How are you? Yes. Where are you from? I'm from France. We'll paint a wall to of the center. Take a photo around. Okay. On est 10 jeunes du nord de la France et de la Belgique, âgés d'entre 16 et 25 ans. On est au Vietnam pour 2 semaines, pour s'engager, pour donner notre temps, notre énergie auprès des enfants du Disabled Center. Dans le cadre du projet, on se rendait chaque matin au centre et on accompagnait les enfants, on jouait avec eux, on s'amusait avec eux. On a essayé de redonner un peu de couleur au mur. Et puis on faisait aussi d'autres tâches, un peu de tout, du nettoyage, du rangement. On aidait à préparer à manger pour les enfants. Ça va, Fik ? Évidemment, ce projet n'aurait pas vu le jour sans les personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont subventionnés. Ouais, donc voilà, on est arrivé au Disabled Center et on nous a demandé de désherber en fait. De désherber pour que les plantes poussent mieux et grandissent. Est-ce que vous êtes volontaire ou volontaire? Volontaire. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Les gens, ils sont toujours zen, de bonne humeur, quelles que soient les circonstances. Ils sont très accueillants. Ils sont très calmes, ils sont super sympas par rapport aux Français. En France, c'est pas pareil, non. En France, c'est chacun son boulot, chacun son taf, chacun il fait ce qu'il a à faire. Ils sont plus perso, voilà. Ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Ils n'ont pas le temps de se calculer. Leur côté intime et ce qu'ils peuvent dévoiler serait quelque chose qui pourrait
pourrais changer un minimum le côté belge qu'on a qui fait qu'on pourrait s'embrouiller pour n'importe quoi. Non, négociation. Non, pour un marché couvert. Et c'est pas très facile de négocier. Genre c'est 200 000, tu dis 100 000. Que si elle dit non, tu fais semblant, tu le poses vénère, tu vois. Genre tu le poses vénère, tu vois. Après, elle dit 180, là tu dis 120, tu vois. Hop, et après, tu le payes 150. Donc en fait, il faut savoir qu'au Vietnam, les billets, c'est voilà, c'est pas comme en euros, c'est, ça monte dans les 1 million, dans les 500 000. Donc voilà, c'est 50 000. 100 000. 100 000. Et c'est toujours Ho Chi Minh dessus. Ouais, voilà, Ho Chi Minh. 20 000. Bah là, j'ai pas besoin, parce que je suis constamment en contact des Vietnamiens. Donc, et moi, c'est ce que je voulais avant tout, découvrir la culture vietnamienne. Et là, je suis là, Nicolas, je t'appelle plein. 1, 2, 3. Ngồi trên máy bay, anh sắp về với các em đây. Ra đám em yêu quý lâu ngày, nhưng anh chẳng đổi thay. Vì anh đã lớn rồi, em ơi, phải lo ta tính toán bao nhiêu trong đời. Mà mọi chuyện đến cả đến xuôi, anh sẽ về với các em thôi. Chờ anh tới, về đến đời, các em yêu, anh nhớ lớn lịch đến trời. Anh đã hứa là anh giữ lời. Về gái thẳng không hề gian dối, em có vui đừng có than trời. Quelques mots. Parce que ça leur fait plaisir quand tu parles leur langue. Ils disent ouais, ils font un effort. Ouais. Comme quand nous, ils parlent français. Ouais. On se dit la même chose, ils font un effort. Ouais. On se dit ouais, ils ont quand même essayé de retenir des mots. Enfin, même en arabe, ils ont dit quelques mots. C'est ce genre-là. Van, salam alaikum. Ils ont leur accent. Ça leur fait plaisir, je pense, qu'on parle leur langue et qu'eux, ils parlent notre langue aussi. Même si c'est juste quelques mots, enfin. C'est un petit échange culturel, ça fait trop bien. Il y a les transports aussi ici qui font super, super peur. Ben, dans, il y a des. Tout le monde a des deux roues. Et il y en a partout. Voilà. Dans tous les sens et tout, et il faut s'y faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de feux rouges, tout ça, les stops, le code de la route, ça n'existe pas. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'en fait, tu traverses et oui, c'est comme ça. De par là, dans les bus. Franchement, souvent les bus pour se reposer parce qu'ils changent de boulot entre temps. Et ouais, nous on n'a pas l'habitude. Ça les chamboule un peu, je pense. Ça les chamboule. Ils sont beaucoup plus respectueux. Ils sont pas du tout vulgaires en fait. I forgot the thing that Belgian people is in my thinking. Belgian people is similar with French people, smiling, interesting, interesting, and laughing. Depuis que je suis arrivé au Vietnam, en fait, je trouve que les gens sont très accueillants et très bienveillants. La peau est tombée partout. Quel exercice. Pour moi, c'était vraiment un truc. Ouais, les Asiatiques qui mangent du chien, on n'y croyait pas trop, mais quand on a vu, c'était vraiment. Ça, c'était choquant. C'est le fait qu'ils mangent du chien. Alors que chez nous, en France, le chien, c'est. Le chien, c'est l'ami de l'être humain. Donc, on ne mange pas.
c'est comme un enfant. C'est notre petit bébé. Et ben non, eux, ils le mangent. Eux, ils le font au barbecue. Et ça m'a choquée. Je m'appelle Nam, je suis vietnamienne. Assemblée. Allez, suivez-moi. 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 À bientôt. On y va. Qui même le suit? Bye. 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 Tan, Van, Nam, Wong. Wong. Avec. Ils ont été formidables. Et qu'ils étaient très généreux, qu'ils m'ont mis super à l'aise et qu'ils allaient beaucoup me manquer. Let's go fun. I have fun time with new friends and sometimes angry. Let's go to it. You will do repeats several times and one moment, try again. Who say that? Rice. Wow. Okay. Rice. Bah, comme vous le voyez, je me suis fait un nouvel ami. I have a new friend. It's your friend. It's your friend. Yeah. It's my friend. Okay. And François, from Belgium. I'm from Ho Chi Minh City in the south of Vietnam. And okay. I have just fly to Hanoi to enjoy the awesome autumn here. Yeah. Okay. Nice to meet you. Le bon chat est là, hein? Quelque chose de la France vers le Vietnam, la modernité, le développement du pays, parce que c'est un pays pauvre ici, rééquilibrer un peu les charges, leur donner un peu de ce qu'on a là-bas. Quand on voit dans la rue, on voit que c'est pauvre, mais un truc de fou, genre... Tout à l'heure, on a vu une meuf, elle était en train de cuire du poulet genre, dans un truc pas haut comme ça. Tu vois, c'est... Toi, t'as ton lit, il est fatal, il dort sur des planches en bois, et après, tu le fais encore. Tu vois. Moi, je suis Nam, je suis de Vietnam. Ouais. Et je suis Wong, je suis de Belgique. Ouais. Et je suis Van, je suis aussi de Vietnam. Ouais. Et je suis Nam, je suis de Belgique. Ouais. Voir du pays. Parce que si tu vois que la France ou que les pays n'ont pas l'habitude d'aller, tu peux pas te dire. Là,
En fait, j'aime bien avoir mon petit confort et c'est ça qui me manque beaucoup en fait par rapport à ici. Je dors sur des lits et j'aimerais bien trouver mon matelas pour dormir derrière. On est totalement différents. Ils nous regardent, par exemple, dans le bus. Eux, ils ne parlent pas parce qu'ils se reposent. Donc, nous, on a l'habitude de parler dans le bus, dans le métro et tout, donc on ne fait pas attention. On parle très fort par rapport à eux. Et on voit que ça les dérange. Ils nous regardent de haut en bas. Ils regardent la façon dont on est habillé, dont on est coiffé. Ouais, eux, par exemple, les femmes, ils ont les cheveux super raides. Nous, on a tous les cheveux bouclés. Ils nous regardent, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont sur la tête. C'est vraiment. Et par rapport aussi à l'argent, on voit qu'on est étranger. Quand on fait les marchés, et tout, on est toujours là à négocier toujours le prix le plus bas et eux le prix le plus haut. Parce qu'ils voient qu'on est. Ils disent, voilà, des étrangers, des Français, ils sont riches. Ils ont de l'argent. S'ils viennent là, c'est pour dépenser de l'argent. Par exemple, là, dans un village, il y a des coupures d'électricité, tandis qu'à Hanoï, on n'a jamais ça. Donc, les gens doivent s'adapter et trouver d'autres moyens pour s'alimenter, pour avoir de l'eau potable. Et je trouve ça pas mal qu'ils savent se débrouiller aussi bien. Donc, voilà. En Europe, on a cette chance de ne pas avoir de coupure d'électricité. La liberté d'expression, voilà, eux ils grandissent avec la connaissance des lettres. Nous, se renseigner nous-mêmes, prendre conscience qu'il y a des règles et pas que voilà, c'est comme voilà, il n'y a pas beaucoup de services qui proposent d'aider les Vietnamiens. Ils n'ont pas la sécurité sociale ou très peu, les services de police. Voilà quoi, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Donc, c'est dur d'avoir une justice dans un pays instable. Donc je dirais que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a des différences, où, dans le sens où en Europe, dans notre pays du moins, le système judiciaire est stable et il y a un bon gouvernement jusqu'à la moelle. Oui, effectivement, je me suis sentie vraiment étrangère au Vietnam. Donc la première chose, c'est le langage. Je parle français, je parle vietnamien. Donc quand on parle français, bien, ils nous regardent directement. Que voilà, la langue est différente. Ensuite, il y a le fait de se promener dans les rues et là on a tous les regards d'autrui sur soi parce qu'on est différent, on a une apparence physique différente, une vestimentaire différente. Donc effectivement, je me suis vraiment sentie étrangère. Et ce qui va me manquer ici, c'est personne. Toujours en fait, même pour toujours découvrir de nouvelles choses en fait. Il n'y a rien de similaire à la France. Il n'y a rien qui ressemble. Non, on voit toujours un petit détail, on fait « Oh, c'est quoi, c'est bizarre, on veut savoir toujours plus. » C'est ça qui va me manquer le plus. On fait d'apprendre de nouvelles choses. Ouais, la volonté de voyager, changer d'air, c'est pas mal. Pourquoi ? Tenter de nouvelles expériences. Ben, je sais pas, c'est toujours rester en France, toujours la même routine, tout ça, ça change quoi. Genre un dimanche en France, tu fais rien, ici tu fais des activités, ça change. Voilà. Est-ce que... Voilà. Ben, je tenais à dire que c'était une super bonne expérience, que c'est un très beau pays, c'est un pays fascinant et il faut vraiment aller à la découverte de ce pays, ça en vaut la peine. Et voilà, j'ai passé de bonnes semaines. C'était parfait, ils étaient super sympas avec nous. Non, mais... Today is the last day and I'm so sad. Il veut que je pleure. Okay, merci beaucoup pour ce beau voyage. Au revoir. Happiness hit her like a train on a track. She hid under beds. She killed it with kisses.
dos.